Direct avec le duo de choc Radio Monde International. Bokki waxtu jotta xal Elhadj Malick Tar Sagna mu ndjay waxtu waangi ni nak leg leg gay ne dañ ko guddé leg leg ñu né guddé bi baxna ci ndax buñ ci joggé rek lañuy dal di teud motax bi yu yombal leen ko indi len Elhadj Malick Tar Sagna mbour babalo wax ñu degg ko dir ay dara neena jottol na furbot waye wat na ci gis gis ba may def rek moy dama dal di jeubal kaddu gi Sadio Bou Ndiaye ak Elhadj Malick ñu dal di ñew rek beugal auditeur yi jaar fu bare bare dal di mujjé teje Sénégal suñu réew wa Sadio Bou Ndiaye kaddu ga ngok jërëjëf fa leen digël jërëjëf Malick Ndiaye Radio Modo International en direct de New York WPAT 930 fepp nga ñu déglu ci aduna bi ñu leen di wax bismillah ñu nekk ci guddik dimanche ñaar fukki fan ak ñett jëm ci altine bi ñaar fukki fan ak ñent ci wéru auguste 2020 xara rek di wax Elhadj Malick Tal bismillah Elhadj ñu lay nuyu la ziar jërëjëf ñambour ma ngi lay nuyu bu baax baax ma ngi nuyu Alain ma ngi nuyu Malick ma ngi nuyu mbokk yi yëpp Elhadj ñu commencé waxtaan wi fiñ ko daan commencé toujours muy les États-Unis d'Amérique marqué cette semaine par la convention des démocrates mu nek convention bo xamni dañu ko fateliko ndax c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis mu am africain américain bo xamni nek na vice président nominé mu and ak ki xamni moy Joe Biden muy convention bo xamni def nañ ko ci ñenti fan mu am ay temps fort nak surtout déclaration bi nga xamni wala sorti bi nga xamni le président Obama def nako fofu tamit pour la première fois dans l'histoire des États-Unis man nañ wax ni un président bo xamni un ancien président attaqué directement un président en exercice du lo xamni dañ nañ ko gis fi ci réew mi Elhadj lan mo meuna tax ba président Obama rompre avec li nga xamni mo nekkone lo xamni adala ci réew mi way tibit nga dikkel ñu ci li nga xamni lay le temps fort de la convention des démocrates bi nga xamni mo amone ci semaine bi ñu genn je pense que man nañu jox li ñaan vraiment une mention bien ci comité bi nga xamne ñu ñoo liggéey ci convention bi nek ci li ñu tuddé DNC moy Democratic National Committee boko doon linkalé peut-être ak li ñu xam ci parti politique ci ñu réew moy secrétariat ou parti. Ils ont fait un excellent travail parce que ce n'était pas évident. Bon, on compare à ce qu'on a dit sous le côté républicain, sous le côté déjà, c'est Altine qui a fait une convention du commandé. Compte tenu des circonstances, il y a fini nous demain avec le virus B, avec la pandémie, avec la fèvre B. Nous vraiment, pour la fèvre B, avec la pandémie, nous avons fait 1000 voix. Donc, nous, parce que nous avons fait un headquarter, nous avons fait 1000 voix. Benen base bi ñu baade ko Wilmington Delaware ki nga xamne ni fofu la vice president Biden nek donc du point de vue du travail chorégraphie bi c'était bien fait et aussi li ñu ci sétlu ñu ko suivre aussi mais amana sétlu nañ lolu moy fessel diversité bi nga xamne mo am ci réew mi mais diversité bi nga xamne mo am ci militants yi nga xamne ñom ñoy li ñu tuddé constituent nous parti démocrate goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi nit ñu wéx ñi nit ñu ñuul hispanique asian immigré vraiment c'était bien là ku nekk am kaddu ci réew muslim chrétien juif etc ñëpp am ñoo lu fëssal nañ ko contrairement à li nga nara gis souvent au niveau du parti
du Parti républicain. Li ngeen registré Altinéji, c'est la seule convention du Comité. Donc, c'est un premier élément, je crois que bon, c'est sorti dans les analyses. Ñaarël bi gënë ko du point de vue historique. Tann bi nga xamné ni mom la Vice President Biden tann sénateur Kamala Harris bu California woné na lolu ci côté wa juroom bu jigen indien la sa maman est venue de l'Inde ñeu fi poursuivre des études ci côté papam papa di jamaïcain donc papa di jamaïcain forcément en relation africaine-américaine voilà africain même de l'Amérique donc mën nga ko considérer comme étant Asian, asiatique, du côté aïe, on va le considérer comme africain-américain, du côté papam. Toujours est-il que, donc, moi, d'hygiène, d'africain-américain, d'asian, nous, c'était un choix historique, et fait net. Elle a profité de la convention, lui, et parti bien qu'on barrait un petit discours, pour vraiment présenter aux Américains, où on est mon moïcan, j'aurais aussi background, l'anmoï histoire, du réumi, du point de vue de l'immigration, etc. Donc, Lolo, c'était un élément important. Michel Obama, le discours de Boudet, c'était un discours fort. Parce que tout simplement, on est contrasté avec le monde qui a été une candidature. Oui, vice-président Biden et Donald Trump. Et puis, vraiment, focus sur le bas, quand est Donald Trump? Avec Donald Trump pour les quatre dernières années, il y a un Donald Trump n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Président Obama, qui est le focus aujourd'hui, vraiment, des fois déplacé au Jogé Washington, déplacé au Demba, Philadelphia. Philadelphia, sur le site Fanga Khamenei, en 1787, il fallait ratifier la Constitution des États-Unis. Une constitution imparfaite, certes, qui dans mon orgueil. À la constitution américaine, il n'y a pas de droit constitutionnel. Dans le Khamenei, ce n'est pas un document parfait. Dans mon avis, dans la constitution de Mouyambour, il n'y a pas de propriété de Kiréoumi. Il n'y a pas de cadre de Kiréoumi. Il a fallu nous adopter la constitution pour d'avoir ce qu'on appelle le 19e amendement de consacrer le vote aux femmes. Et bien qu'il y ait une charte, le document était loin d'imparfait parce que c'est un document qui a été fait en quelque sorte. Il y a une constitution qui a été ce qu'on appelle la clause du 3/5. C'est très fif, mais nous avons beaucoup de choses. Si nous avons des bureaux, nous avons des choses qui ont été faites avec les valeurs. Mais Péraoul, cette constitution a continué d'évoluer. Il y a une démocratie. Continuer, il y a des choses. Nous continuons à avoir droit de vote, etc., etc. Le document reste imparfait, mais c'est l'un des rares documents qui a été fait dans l'État de 1787. Le président Obama a donc fait un déplacement de Philadelphia pour voir que Donald Trump n'est pas à la hauteur du tâche, mais c'est un homme absolument dangereux pour le pays. Dangereux pour l'État en tant que tel, l'infamie État, séparation des pouvoirs, l'État de droit, élection ugarienne, la liberté de la presse, la liberté, les libertés individuelles, les libertés, les droits civiques. Il est dangereux pour tout ça à la fois. C'est élection y, coutume n'est que quand on a voté, on a amené Donald Trump au parrain pour gagner l'élection y, gagner le réunion de Proxy. Proxy, il y a ce principe, il y a ce que vous savez, l'État, il y a la démocratie. Quand le discours est modern, Sonju, il y a rien à dire. Beaucoup de Hillary Clinton, Bernie Sanders, le programme de Néhouma, le Medicare for All Google, il y a ce que vous savez, il y a ce que vous savez. Si vous avez un peu de temps, vous avez voté. Exemple, il y a un petit peu de l'air. Donald Trump, vous plaît, il y a un fair game. Par exemple, il y a un peu de règles du jeu de Proxy. Et nous, exemple, il y a un peu de l'air, il y a un poste office. L'US Postal Service, moi, je suis réuni. Réuni, nous avons fait une indépendance, nous avons fait une déclaration d'indépendance, nous avons fait une constitution en 1787. Poste Bank, depuis 1757. Benjamin Franklin, moi, je connais que. Le Postmaster General.
1757. Donc pour wone c'est sérieuse situation paré ngir yakh poste bi parce que da dan am ci jamono ñi nga xamné mënu ñoo déplacer wu ngir vote bi ya xam bitim rew la ñek wala dañu nekk l'armée bi di servir wala fañuy liggéey ak fañ dëkk du ben ñoñu dañ dan request li ñu tuddé absentee ballot laj ko seen commission électorale fañ nekk ñu ñëne len ko ñu filaw ko dello ko bu ci voté ya ñu compter ko bolé ko ñu dañ absentee ballot pour ren fièvre bi demé no xamné ni ñu ne kon jaaduna fuway man fuway nekk ci réew mi bëgg voté té japp né amana risque ngi ci bo démé ron ci bureau de vote jëlé fa fièvre man nga request mail in ballot mo absentee ballot bu c'est le même principe c'est de voter par courrier de request ko sa commission électorale yonné la ko nga voté ci boko xassé voté registre ba nga bindu won ñu coché sa tour mëna ko voté wat poste bi tollu ci crise bo xamné dana laaj lu mu bon 25 milliards de dollars 25 billion dollars pour mëna organiser vote yoy mu téggu ci yoon mu jox mom Donald Trump ak tap problème ak ay litam ngir yaq poste ñame ko xamné ni amul ben expérience ci poste service ak namuy doxé koku ñew def ay tapalem ngir yaq poste tay ci samedi ji demu gis nga ne house bi delu ci nañ bien que ils étaient en recess def débat plénière voter bill bo xamné bolé nañ ci 25 billion dollars moy aide financière bu taxaw ngir mana doxal toutes les opérations yi nga xamné mom la poste bi laaj donc président Obama son discours amul ben président ci réew mi ba réew mi taxawé légui ku mo fa waxé nonu ci son prédécesseur. Il a montré aux Américains, indépendants, républicains, démocrates, que Donald Trump est un homme dangereux. Dangereux qui voit le numéro de Khaled Kiréou. Que si nous avons fait la paix, si nous avons fait la paix, nous avons fait la paix. Nous avons fait la paix. Nous avons fait la République, d'une séparation des pouvoirs, d'un pouvoir judiciaire indépendant, du le respect des libertés publiques et civiles. Di le respect des droits civiques des citoyens lolou neena na nga xamne bu boba dana ci am ay conséquences doy war et donc c'était un discours puissant bo xamne ni mom la jallalé et qui a fait écho donc en définitive ce colloque ba ci la vice président Biden jël cadeau bi mu jëlé cadeau def véritablement diagnostic bi nga xamne réew mi dunu nako ci ñentaal focus ci coronavirus pandémie bi nga xamne ñing koy dund. Il y avait plus de 175 000 Américains qui ont été en train de se faire. Il y a 10 000 millions qui ont été en. Et puis janvier, il y a eu une stratégie pour que nous devions faire ce travail. Il y a eu une stratégie pour que nous devions tester ou tester. Il y a eu une stratégie pour que nous devions coordonner les efforts qui vont nous donner l'hôpital qui sont là. Alors mo woné né mom vice président Biden amna plan bo xamné ni buñu ko falé dana am stratégie bo xamné c'est coordonné au niveau des 50 états pour xéx ak virus bi amna coordination bo xamné ni 10 million américains yi xamné fess nañ sen liguey stratégie bu ñuy teural ngir dello ci wat liguey amna stratégie ak plan bu mu teural naka lay booster li nga xamné mo small business yi ba ñu ci bari mëna déllu ci wat sen activité mais surtout amna plan ngir déllo ci un peu de décence bi moy jom ak texte bo xamné ni ñak na ci biir maison blanche ñak na ci réew mi déllo aussi personnalité amérique ci adina bi ba respect bo xamné nit ñi amon nañ ko ci amérique respect bobu déllu ci. Lolo, ça a été un plan qui a apparu dans son discours. Donc, Lolo le PG Boudigui. Évidemment, les Républicains demandent demain, ben, nous savons quelles vont être les réponses. Mais lui, moi, en tout cas, le gros des discours, il va faire des milliards, mais qui n'y a pas de famille, il va faire des membres de la démocratie forte. Mais ça s'est fait de manière virtuelle. C'était à distance. Il y avait vraiment une équipe qui boutique l'idée au niveau de DNDNC. Il est qui doit ramener une coordonnée pour défiler des bombes.
là ça y a encore wax légui démocratie les républicains ñu wa commencé nak souba manam aljina ji lañu wa commencé donc mais c'est une convention est-ce que ñom tamit c'est une convention dañ ko def d'une manière virtuelle manam comme ni nga xam mom la démocratie def way tamit dafa melni ni à la différence de Joe Biden président Donald Trump convention bi chaque jour dana ñeu intervenir pour que vraiment chance mu garde ko intact pour les élections de novembre de 3 novembre prochain ci preview yi nga xamné mo am effectivement lolo na ram xam nga convention bi daf ko décidé won défé ko Charlotte North Carolina xëccio bu mag mo fa am digënté maire Charlotte ak gouverneur ba ak li nga xamné moy arrêt ci moy Republican National Committee ñëlen bobu jamono biñ koy biñ ko jappé dé ñu won leen alel biñ commencé préparation yi North Carolina dafa bokkon ci état yi ëpp ka nga xamné ni bobu ka ya ngi yok ñu leen li mënul nek mëno jël des milliers de personnes ay jinné nit dajalé leen ci ben salle bu teju ci arena ngir organiser convention ñu né mënul nek par rapport au contexte actuel mu gëdd mu né jëlé nako da koy jëlé Charlotte da koy déplacer Jacksonville mu déplacer ko Jacksonville ñu dawal 2 semaines di xew Florida xew fa nga gis le nombre de cas et le nombre de morts la situation s'est améliorée certes les nouveaux cas baissent mais le nombre de morts fiñ ci nekkon lañ ci nek batay moy aujourd'hui on a connu plus de 1000 morts aux États-Unis donc ils vont continuer à se rassembler North Carolina sous Altinegi donam ñeneen ñu nekk Jacksonville ak yeneen dëkk ils vont continuer à se rassembler mais li ci extraordinaire moy ba réew mi sasso ba légui pour la première fois je vis un président qui va utiliser la maison blanche pour des activités politiques c'est lolou mënul nek warul nek ndax amna federal statute loi bo xamné mo la ñow de xatch ak moy bo dé liggéey ci federal gouvernement bi un sentiment de impropriété moy mëno mukk jëfëndiko ay structure officielle wala des fonctions officielles du de politique alors amna ci une partie des événements yo xamné ni fa lay am au niveau de la maison blanche lolu aussi moy lo xamné ni lepp luñ mosa wax né mënoko gis wala ñu né mënul am wala ñu né warul am ci nguru Donald Trump gën nañ ci côté bobu non mais pratiquement on est dans une certaine mesure qui dimension bo xamné donc nan tout est permis finalement est-ce que rakam yi nga xamné gañu na té ñu dëj ko maison blanche bokku na ci lolu moy amna possibilité ngir dem ci ñu yobbu ko ci ab cheikh ñu organiser fa funeral bi mais ça a été fait à l'intérieur de la maison blanche lolu aussi jappal né musul am donc les gens sont posé la question mais comme je dis ci nguram lolu yeb donc durant 4 jours il ñeu il va continuer à apparaître chaque jeudi mais il faut s'attendre à li may tuddé des discours anti-immigrés des discours racial un discours racial bo xamné ni qui va continuer à créer la division à exacerber même la division là à l'intérieur du pays en tout cas ni dis programme bi commenté ci bind ci dina il faut s'attendre à ça limi woné overall moy sondage bu fi jaar ak chiffre ak taux de favorabilité yi fi jaar woné né Donald Trump il est en train de perdre les élections woné né képp ku mako am chiffre yi mel non perte na élection il n'a jamais été réélu ludul une fois dans l'histoire de l'Amérique dans l'histoire de ce pays alors ñu bari japp né il va perdre il est donné perdant mu jaram ko lu nek nak évidemment man na gagné quand je dis il va perdre moi vraiment la lisibilité biñu gis lecture biñu gis moy naka la mëna inverser c'est à on est à 2 mois des élections pratiquement 3 novembre là man na gagné mais gagné bobu jaral nako lu nek il est prêt à utiliser l'état fédéral pour gagner l'élection. Il est prêt à yakk le processus électoral ngir gagner. Bune damay déployer ay agents fédéraux, ay marshals, law enforcement, ay US attorney. Amul pouvoir bobu non.
mais amana amna ñu xamné bu duggé sen nopp buñ la doon voter ji ñu bayyi bu taxawé ngir yaq poste bi li poste bi soxla ci ndimbal mëna diko def day veto bill bobu c'est pour en fait déstabiliser le processus électoral des fois yaq li nga xamné ni moy cette légitimité des élections donc man na gagné mais il est donné perdant alors il est prêt à tout pour gagner ces élections là. Et je crois que d'un autre côté, du côté démocratique, discours c'est aujourd'hui de se dire qu'aussi l'un qu'on gère avec, n'a qu'on gère l'autre camp. Moi, une ligne est à haut. Quoi qu'il s'en tente tout bien, il mérite un président à un seul mandat. Donc, durant les 4 jours, il sera présent à Idomom dans la Nuit, à Bienen, à Bienen. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que Dinga, comme vous voyez, le bail, dit Madame Boudigen, n'est qu'on fait de la joie démissionnaire. Et démission Bobo Mungi Amon à l'époque, Binga Khamel et le New York Times avait publié que la famille Donald Trump commettrait des fraudes fiscales sur plus de 18 ans. Donc, Amon une documentation de plus de 100 000 pièces de documents. Yo Khamel et le New York Times à l'époque avait fait un excellent travail. Et qu'il a dit qu'on ait eu, il a fait que Mary Trump et Gerbard Letty, Donald Trump, papa, et Donald Trump, qui ont beaucoup de bail. Mary Trump, Bobo, mon release, aujourd'hui, on est né. Comment vous avez un bail, mon Donald Trump? Donc, Federal Judge, retraité, moi, expliquer quand moi, Donald Trump. Même si vous avez un bail, je vais vous dire, moi, Donald Trump. Mais Donald Trump, beaucoup en principe, vous avez un bail. Mais surtout, la femme, limite, de cruel. Cruel, cruel, que vous venez, moi, Sokhor gu ne ci mom go xamne lolo wara mëna jël mu jël ay goné séparé lan seeni famille tej len ci ay case moy ñaxum bobu nga xamne def nako au niveau de la frontière donc nonu ça a permis quand même ñu bari ñu découvrir à l'intérieur de la famille bu wéso li mari tambo ki mom mu bokk ndé bay ku ko xam la et koku d'ailleurs mo waxon mu né examen biko permettre mu dem collège da ñu fay ab benen goné mu jël test bobu defal ko Donald Trump Michael Cohen xam nga né amna livre bu mu bind bu wara genn di yagu bo don avocat Donald Trump bu expliquer ay détails yu extraordinaire et un livre bien documenté parce que Michael Cohen a été l'avocat personnel Donald Trump pendant 10 ans donc pour won la rek overall li président Donald Trump wa et li président Obama wa ki bi programme bi lélé quand il s'agit d'élection et de président bu mo bëgg wax jambour personnellement voter len ci bay len ci. Mais je crois que Donald Trump, ni wara voté, xamna ñu véritablement, surtout les Africains, l'autre des Sénégalais, ils disent, war nañu mëna voter ku melni Donald Trump, wala waruñu ko mëna voter, ndax war na nek un président sénégalais. Jambou Donald Trump, bi mu à la fin du coup, xamna ñu gis gisam ci immigré, ak ci julit yi. Mu toge mesure bi mu jëk signé décret bi moy muslim ba né jullit ñi duñ fi dugg loolu la jëk signé ci walu immigré mu jaru sax may delu ci ci li nga xamné def nako ñepp xamné lajul dégg anglé lajul nek expert ci lén alors c'est pourtant je dis il faut du laj sax nga nan il faut voter pour Joe Biden wala mais les gens n'ont qu'à apprécier dans l'ensemble est-ce que Donald Trump mérite un deuxième mandat ou pas mais en tout cas ci ñent fan yi ñew da nga gis né il va apparaître chaque jour ci convention bobu noné Mokinitem, on verra. Ndax ils seront à la mesure. Ndax dana djema taxé attitude ci bir rewmi, ndax dana djema jouer régulateur social wala il va continuer à exacerber les tensions et les divergences sociales d'abord. Et là je convention bobu dag ñu koy def au moment où coronavirus toujours nek ci li nga xamni moy rewmi. Fini tolo ñu ngi nek presque 677 000 morts manam 177,000 dette yo xamni danaka jégué nañ ko ñu ngi ci plus de 5,700,000 yo xamni fer bi dal na len et là je chiffre yoyu mu nek des chiffres impressionnants est-ce que tamit actuellement situation bi au niveau national bien que ñu ngi am 1000 morts mais est-ce que yaakaaro ni fu nek ñu ngi jëm ci pente bi jëma wacc pour que peut-être faire bien mieux qu'on maîtrise. Dans certains états, ils disent les nombres de nouveaux cas sont diminués. Donc apparemment, il y a des gens qui pètent, mais le nombre de morts augmente. New York City, maintenant il y a aussi les New Yorkais, mais il faut le dire, on a amené une petite fille.
D'ailleurs, il y avait un article dans la presse qui dit semaine dernière, les experts ont été même surpris comment Nakala New York State a fait l'idée pour nous, vraiment comment le virus a été maîtrisé. Mais quand vous voyez le reste, c'est le fall en septembre. Nous avons dit que nous avons fait une second wave, mais c'est une deuxième vague. Et là, d'ailleurs, à New York City, New York State, dans la Méditerranée, les autorités se préparent. Parce que nous avons fait une sous-sous indique, côté Bobo Léhi, septembre, pratiquement. Fougue, accès à Barbignon, numéro, symptôme. Et d'ailleurs, le Loral, New York State, le gouverneur a demandé hier, Barké Demoual Duma, que Nako Ville a canté leur programme de vaccination pour le flou. D'ici la fin du mois, il va y avoir une coordination au niveau de l'État de New York pour nous faire un peu de temps. Mais New York, le musée du Ubi, Jimmy, je crois que ça va être le 3 septembre. Les gymnastes seront à mesure d'ouvrir. Dans les dernières 48 heures qui sont New York State, il n'y a eu que 5 morts, vous savez, New York State. Il y a eu coronavirus, et il y a eu à New York City. Donc, pour les dernières 48 heures, il n'y a pas eu de mort de coronavirus dans New York City. New York State, de manière générale, on a 472 personnes hospitalisées, mais que qui sont intensifs qui New York State. Alors, imaginez l'OLU, c'était le chiffre le plus bas depuis le mois de mars, il y a eu. Donc, bien testé, les dernières 48 heures, il dit que les chiffres, il y a au moins un peu aux environs de 74 000 tests. Donc, le taux de positivité, moi, c'est 1%. Madame Tay, Mangane New York State, c'est un beau testé de famille, dernier temps du test positif. Oui, une bonne nouvelle, mais d'où nous l'amène sur l'ensemble du pays. Donc, les États qui ont surge du nombre de cas, le nombre de nouveaux cas est en train de diminuer sur certains États, mais très haut, le nombre de morts augmente. Ah, sensiblement d'ailleurs. Donc, semaine belle, nous avons 1200 morts par jour, pratiquement, ou 1300, mais qui vendredi, nous avons 1300 morts. Là, on est aux environs de 1000 morts par semaine. Et le nouveau modèle, scientifique développé à travers l'université de Washington State, fin du mois de septembre, on peut aller vers plus de 200 000 morts. Imaginez, plus de 200 000 morts. Unless nous avons une coordination. Au niveau national où la plupart des États, nous y est que tu dois te gagner développer qui est fait. Donc, pour répondre à ce live, overall, le nombre de cas diminue dans certains États, mais toujours est-il que le nombre de morts augmente. À New York, Ecoli, il se peut qu'à l'école, les charter schools, ils vont aller vers les semaines de l'année. Il y a des enfants qui commencent derrière demain, mais Gangbi, ça va être vraiment à distance, en ligne. Maintenant, les écoles publiques, ils veulent ouvrir en septembre. Là aussi, il y a des chers entre le maire et les syndicats. Nous japonais, vous n'êtes qu'un restaurant et mon oubli. Mon restaurant, mon bar, mon cinéma. Là, moi, voilà le combiné, gang les cadivars, nous n'avons pas oubli. Pour ce qui est de le syndicat des enseignants, nous n'avons pas de facteurs, nous n'avons pas nous n'avons pas donc, on a pas mal de désaccords à ce niveau. Il y a même université qui a ramené au Biwana. Il y a pas mal de nouveaux cas. Il y a des gens qui ont ramené
les cours en personne ont été suspendus. Et les cours aussi voilà, que, en ligne. À mon université, juste à nouveau règlement, il y a comme les étudiants, les étudiants pour gagner Paris, voilà, ils sont en groupe, dans le suspendre, dans l'école. Il y a déjà un métier à Notre-Dame, à Notre-Dame, Penn State, l'université de Oklahoma, et nous dans cette semaine-là, l'université de North Carolina, dans ce sous-sèche, à mon école, il y a un oubli. À mon école, il y a un forum, il y a un étudiant au collège, ça a été repoussé de deux semaines parce qu'il y a tellement de nouveaux cas. Donc, l'autre moyen la situation au niveau national, dans un contexte où on a mis, il a donné Trump pour des points de presse pour où on est né, à et là également, c'était n'est pas le cas. Hélas, si bonne nouvelle, surtout nous avons mis New York, maintenant, si vous voulez, Grand Prix, approuvé pour l'État de New York, qui a mis un film administrateur, Pete Gaynor, Grand Prix New York demande d'accepter l'année. Ben nga xamni dañ doon jot un employment depuis le 1er août $600 jotuñ ko ñoñu man nañu jot $300 légui from the federal government bolé ak li nga xamni mom leen sen state di jox apparemment seulement ci ndax nañ ko mëna jot tout de suite leeru moy problème bi xam nga computer system yi il faut que ñu upgrade ko pour humanity donc apparemment, beaucoup de jobs aussi. Je crois que ça ne va pas être tout de suite. Certains parlent de la fin du mois ou voilà même mi-septembre. Donc, il y a des rares États qui n'ont pas le droit. Nous avons des gens qui ont Montana qui ont décidé de sortir de l'Ukraine pour repousser. Ils ont un gouverneur républicain qui a décidé de bypass de l'eau. Maintenant, c'est approuvé. L'État devrait pouvoir le faire. L'ennemi timeline B à ce niveau, donc ça reste à déterminer. Certains parlent de la fin du mois, certains parlent même du mi-mois de septembre. Mais si je reste, je crois que Souba, Marine Souba, il vit toujours qui Souba déjà à Altinevi. Gouverneur Cuomo, en principe, dans un petit briefing, et Altinevi, dans un petit ham officiellement, l'ennemi aura un timeline B. Malgré la qui a dit que le point de presse de Donald Trump d'essai, ou qui a dit que le commissionnaire du FDA, Food and Drug Administration, a mis en place pour ne pas faire de point de presse, mais il a mis en place. Alors, tel n'est pas le cas. Il a poussé, il a fait des pressions politiques sur le FDA pour nous faire une procédure d'autorisation en urgence. Si le placement de l'université de New Faber, ñu jël sen placement. Placement moy liquide la bu nekk ci danaka ci bir deret gis nga lélé bo dagué gis deret bi da nga gis ben liquide bu xawa ratax lolu moy le placement. Donc je pense que ñu jël placement bu pour utiliser comme traitement thérapeutique. Maintenant li nga xamné FDA nangou wuñu def cette procédure d'urgence autorisation en urgence ci la attaquer FDA qui est un deep state, manam l'état qui dit état là, d'un contrôle, d'un niveau de guerre, etc. Finalement, ils étaient obligés de le faire. Et il a appelé un point de presse. Mais, nous avons un docteur, nous avons un bon sens. Nous avons un pushback, un sérieux. Pour voir, nous avons un randomized placebo trial. Nous avons vraiment suffisamment d'essais cliniques. Ba xamné li doxna it works ba paré lan moy les effets secondaires amul donc man na am ci certains hôpitaux yu ko utiliser gis ci avancer mais amul vraiment un échantillon large d'essais cliniques yo xamné ni ñi ñu jox len placement bi ñeneen ñi jox len lenen on compare data yoyu yama ko lolu je crois que borom xam xam yi def nañ ci ay pushback yu strong moy Donald Trump li muy def moy day jëfëndiko les structures de l'État ngir am politique ci benen côté bi su bo la convention bi di commencé lundi bi ñu ngi jëm ci élection yi vaccin amul garab amul il n'est pas médecin il n'est pas docteur il n'est pas scientifique fokk tarati loxo yenn structure yi pour am lu mu jëma tek ci loxo fofu ce qu'il a fait exactement aujourd'hui à la maison blanche et l'homme c'est dangereux donc
Speaker Pelosi ak yeneen borom xam xam yu bari def nañ ci ay pushback wone ne amul. C'est comme boo demee réew mu mel ni Sénégal ils utilisent hydroxychloroquine bi dañ koy utiliser genre dérivé nivacine ba avec d'autres antibiotiques moom la ñuy fajee. Fii ils l'ont utilisé gisuñ ci faj, au contraire ça a créé des problèmes chez certains patients. Mais aussi ça a été largement débattu du point de vue scientifique. Donc même chose là. Il y a aucune donnée scientifique large aujourd'hui. Vous pouvez voir un plasma de mon nom, utiliser comme l'unité d'un traitement thérapeutique. Certainement dans certains hôpitaux, mais nous avons un nombre suffisamment large qui pourrait être considéré comme une base scientifique. Donc, nous aussi, je crois que nous m'avons expliqué. Donc, toujours est-il que c'est l'époque de Donald Trump et Yambour. Dès que nous l'avons fait, nous avons politique au collage. Xana rek di fàttali yéen ngi déglu rajo Modou International bi émettre en direct de Wall Street, Manhattan, New York, WPHC. Naa yi ne tey ñu nekk si guddi que dimanche ñaar fukki fan ak ñett jëm si altine bi ñaar fukki fan ak ñeent si weeru August 2020. Xanaa élage buñ jugee Amérique du Nord dañuy traversé l'océan Atlantique pour jëm nag Afrique suñu continent. Afrique de l'Ouest fofu nak ñi ngi ci subak altiné ji subak télo altiné bi ñi ngi jëm nak au Mali. Mali xam nañ ni wér yi wessu yépp mi ngi amone ay mouvement de protestation, mouvement civil, ay mouvement yo xamni ben imam moko jité won di contester pouvoiru ki nga xamni moy IBK Ibrahim Aboubakar Keïta. Ba talaté bi wessu nak des jeunes officiers ñew japp ki nga xamni moy le président IBK obligé ko à la démission ba fi mu nek sax légui mi ngi ci loxay militaire yi danaka mu ndot mur dal coup d'état militaire yoy nak gëdé nañ sax tay ji ben note pour xam leen ni dañu créer ben gouvernement d'union nationale bo xamni ay militaire ñokay jité ba paré dañu def transition ñetti at manam ñetti at dañ ko fa tok doga joxe élection doga organiser des élections libres et démocratiques li nga xamni moy CEDAO muy xam rew yi nga xamni ño nek ci Afrique Saoudiante ñoñu nak président yi yëkëti nañ seen kaddu ba sax yëkëti ay sanctions yo xamni tek nañ ko ci réewul Mali parce que nena ñu dal coup d'état bi ñom d'accord ñu ci ki nga xamni président dañ ko wara delu wat ci place et là je nga ñëwul ñu ci coup d'état bobu way tamit conséquences yi nga xamni mom la jur fofu si Mali way surtout tamit sur le continent africain notamment si Afrique de l'Ouest réew yu mel Sénégal la nga xamni dañu am frontière ak ki nga xamni mom moy Mali. Ma ngi jéggalu jàmbur dama mbité woon la situation au Mali dafay créé du rek Mali la concerné en premier lieu mais toute la sous-région. Yëf yi ni defe de jàmbur am na ñoo xam ne ni jàpp nañ ne crise politique am na coup d'état bi c'est un début de solution mais ni nga ko waxee léegi boo ko déggee rek xam nga ne bu fekkoon ne xam nga ne une transition politique de 3 ans pour ay militaire xel munu nangu loolu et c' est pas le premier coup d'état au Mali. Tey le continent africain c'est le seul continent au monde tey booy dégg coup d'état. Emmanuel Macron dund na une crise politique boo xam ne njàmbur ci képp ku mën a seetlu xam nga ne bu doon la sur un bu doon un pays africain ñu coup d'état avec les gilets jaunes il a vécu une situation politique et sociale absolument difficile. Donald Trump dund na situation politique et sociale boo xam ne ci biir réew mi da nga naan bu doon Afrique la il pourrait être décausé par l'armée. Man nga ko continuer nu dans beaucoup de pays européens où nga am ay leader yoo xam ne ni c'est le cas en Pologne, c'est le cas en Hongrie. Ils gouvernent par la force, ils ont muselé la population, utilisé le système judiciaire pour régler des comptes politiques, muselé la presse et la société civile. Donc, c'est des schémas, au sein de l'UNIBIS. Mais n'empêche que dans ces pays, des gauches n'ont rien au coup d'État.
Donc il y avait une crise politique au Mali. Ñen ñi dafa né l'armée est la solution. Amna jëm ta ba gindiou nan les pays où les présidents sont en train de faire des forcing, l'armée est une solution. Mais le fait d'avoir des... Parce que d'abord, ni créer l'État, ni concevoir l'État tel que connu, comme nous sommes un État. Mais un État, c'est quoi? C'est une séparation des pouvoirs. C'est trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Surtout, vous pouvez mettre un État démocratique, surtout. Mais à mon sens, il faut créer la conception de l'État où vous n'avez rien. C'est les militaires qui vont être au pouvoir pour gouverner. Il n'y en a pas. Vous n'avez qu'on l'eau. Ceux qui ont conçu l'État, John Locke avec Montesquieu, ils disent OK, concevoir même l'État, nous comme militaire et gouverner. Amour. Même dans les États où la créer l'État du Moyen, nous cherchons militairement certaines indépendances d'Amco, ça n'a même pas été gouverné par l'armée. Donc, l'issue au Mali, mon nom est que dans l'Andiki, bëgg démocratie, da nga bëgg un état démocratique, da nga bëgg un pays démocratique, concevoir que yow and nga ci coup d'état. Et d'ailleurs, gis na un parti politique sénégalais qui a fait un point de presse, di rassemblé lolu alors que l'opposition malienne, dès qu'ils ont rencontré la jeune, ils ont condamné le coup d'état. Parce que lolu anachronisme bo xamné xel mënu ko nangu. Et cette échéance de 3 ans en dit long. L'armée dit, ni Nangou Gourdi, Ibrahim Boubacar Keïta, avec tout ce qu'on peut dire, la malgouvernance, les problèmes, la crise politique, etc., Tahoul, il était élu. Vous voyez qu'il est mal élu, ou la perte de légitimité populaire, still il était élu. Et il avait un mandat à finir. Ça veut dire que même le peu de démocratie du Mali à monde, le peu d'élections du monde, l'ONU s'est parti aujourd'hui en l'air libre. Un groupe de militaires viennent, ils prennent le pouvoir. Personne ne les a élus. Du certain timeline, ils suspendent la constitution, ils dissoutent l'Assemblée nationale. Ils donnent légitimité à l'AYAM. Ils ont un pouvoir légal pour leur permettre de faire ça. C'est pourquoi je suis d'accord avec la position de la CEDEAO. Maintenant, d'accord, on a fini d'utiliser la force. Mais c'est des mauvais précédents. Maintenant, l'ONU, on a eu aussi qui donne un débat. Vous faites donc un nid dans les citoyens, bien des chefs d'État. Il tripatouille les constitutions. Dieu me frôle, n'a qu'à l'invité à vivre. Mais est-ce que d'un autre côté, l'armée aussi, c'est la solution finalement? Ces militaires-là, ils disent que nous sommes quelqu'un qui nous a présenté. Le Mali a connu le troisième coup d'État, si je m'abuse. Le coup d'État de Moussa Traoré, le coup d'État de Amadou Toumani Touré, Albi. Donc ça veut dire que depuis l'époque de Moussa Traoré, tous les coups d'État et Fidjar, les processus électoraux qui ont été engagés, ont une bonne solution pour Moussa Traoré. Une démocratisation du pays, un état de droit fort, un processus électoral solide, le respect des libertés publiques, des libertés civiques, etc. etc. Un pouvoir judiciaire bouteillon. Le jeu de Ramouf. Ça veut dire que depuis Moussa Traoré, rien. L'Allemagne, les Maliens, la communauté internationale, la communauté africaine, ou la Guinée, ces groupes d'officiers, ils vont faire le travail. Ils vont faire le travail. C'est ce qu'on a dit sur le Yamour. Il y a un réel pour l'armée, pour le pouvoir, pour défendre un pouvoir démocratique. Ce qu'on a dit, c'est qu'à l'époque Moussa Traoré, cette crise politique de IBK dure, l'armée ne va pas leur donner ça. Le peuple vient construire un État démocratique. Ce n'est pas l'armée. Le rôle de l'armée n'est pas de diriger un pouvoir politique. Le rôle de l'armée, c'est de protéger les personnes et les biens, les frontières, la souveraineté nationale d'un pays. Moi, je suis aux États-Unis, moi, je suis au Sénégal, moi, je suis au Sénégal. Si nous avons dit que nous avons dit, nous avons dit protocole a commencé, nous avons fait un salaire, nous avons fait un avantage. Commencer Niam Gour, c'est Ninjabot Niam Gour. Il commence à gérer des milliards. Ou bien il va y avoir une discordance de Sendir, comme d'autres coups d'État, il y aura un de Sendir. Ou bien il y aura un Gour qui est un cobaye. Voilà en fait les coups d'État qui débouchent. Voilà, quelqu'un qui vient venir pour présenter où, ils vont se dédire. Parce que quelqu'un qui vient pour présenter où. C'est ça le danger du pouvoir.
motax ñak concevoir le pouvoir politique en tant que tel dañu seppi l'armée bi tek ko de côté maintenant man nga am un mauvais président une mauvaise gouvernance mais lolu peuple bi mo koy xex buñu bëggon défar kessé tay buñ wax 3 ans cette transition ne peut pas aller au-delà de 6 mois. Aucun élément de la junte ne doit faire partie des structures pour assurer la transition. Il y a des Maliens dans la société civile, au niveau du peuple, compétents et sérieux du Morado Khalifi. Donc, cette junte-là, ben, ils vont goûter aux saveurs du pouvoir pour torturer les gens. Et en faisant ça, je crois que la CEDEAO doit être absolument rigide qui l'a. Maintenant, je peux comprendre, vous direz quelqu'un comme Alassane Ouattara, il est en train de préfatuer la constitution pour propre. Alpha Condé va faire ça, Sénégal, mais ce n'est pas le rôle de l'armée pour jouer un pouvoir politique. Ce n'est pas le rôle de l'armée pour jouer un arbitre. Et d'ailleurs, parce que sur le monde, nous sommes le seul pays. Et il y a des pays qui ont une grave crise, pour qu'il y en ait une des crises d'interne. Socio-économique et politique. Donc, c'est à la société civile malienne, c'est au peuple malien, c'est au parti politique malien, surtout de l'opposition, de construire ce pays. Donc, cette transition de 3 ans, elle est fallacieuse, timeline de l'homme. Ce qu'il faut faire est rendre tout de suite le pouvoir aux civils. C'est à l'opposition malienne, à la société civile, à la presse, de constituer une structure de transition, qu'ils retournent dans les casernes militaires. Nous bani gaay c'est faire une timeline def leur concertation taxawal une structure d'audit pour def la reddition des comptes taxawal calendrier électoral bu jaar ci yone avec l'appui de la CEDEAO et de la communauté internationale lenen luñ la wax ci ñepp ak bu den jëppi ak lañ joxe je sais que ça va être inacceptable pour la CEDEAO ça va l'être pour la communauté internationale et c'est un mauvais précédent. Ce n'est pas parce que d'accord nous avons une crise politique qu'il faut déposer le président. Ça pose problème. On risque de retourner sur l'Afrique à l'ère des coups d'État. Ça ne résout absolument rien. Il y a une crise politique entre le président de la République et l'opposition et la société civile. Nous avons une solution du Djogo Kodano. Nous avons un groupe de militaires qui viennent déposer un président, dissoudre l'Assemblée nationale, suspendre la Constitution. Sur quelle légitimité? Maintenant, le peuple malien aussi, il faut nous faire une bug. Mon nom, Cheikh Ibrahim Boubacar Keïta, il y a un coup de sable qui est une solution. Maintenant, le président Yitok Banyadem, là également, il faut aller push back du jugé sur le peuple. Parce que l'image de Mjambourmou, la souveraineté appartient au peuple. Mais ce n'est pas le rôle de l'armée pour jouer l'arbitre, déposer avec le président, Bakare, l'inimouton am dans le cadre civil. Dans le cadre militaire de notre Jimbo. Ce n'est pas à l'armée de construire une démocratie. Donc, je crois que si on a décidé par rapport à la timeline, si on a duré les 3 ans, je crois que la CEDEAO ne va pas l'accepter et il risque de connaître une sanction internationale. Timeline, si on a duré 3 ans, c'est une information RFI, Radio Mondo International. Xeyna fi ak si fin de journée altine bi dana gëna leer parce que militaire dans un premier temps 9 mois lañ doon wax et vraiment li nga waxe ñu bari gëm nañ 6 mois 9 mois maximum lu jaadu wala pour pas assurer la transition voilà. Je crois que c'est important les informations jottu li genn sax dañ ñu woon dañuy def un gouvernement de transition dirigé par un civil lool lañ waxoon ni transition 9 mois lu changer bañu wax 3 ans mais 3 ans je pense que ce sera inacceptable de mettre lol mais il a commencé déjà Sidima Diouf Rek Moy à goûter le pouvoir les escortes le pouvoir Ngourou day doflo day doflo mais là je me ñew ci sanctions économiques nga xamni mom lañ bëgg jël parce que buñu ñe sanctions économiques le Mali est un pays particulier le Mali moy dëkk bo xamni amul port marchandise Dakar lay jaar ak Abidjan. Donc buñ ñé embargo ay mesure yu ñu jël yo xam dañ koy contraindre Sénégal mo koy jël ak Côte d'Ivoire et dit nañ ni le Sénégal et la Côte d'Ivoire de tout temps dañu nek ay ño xam ni dañuy xex ci le marché malien manam ku nek
bëgg nga dal le marché malien nga importer ko lu bari ba taxna parce que sur le plan économique sen port lool dakoy doxal lool sanction économique yu bëgg jël dafa melni le président Macky Sall ak le président Sani Ouattara bokk ñu gis ci sanction yoy ndax Ouattara il est pour que ñu sanctionner Mali daf ko embargo et le président Mali sénégalais ñu wax moy que ni Aliou Dium wax moy que ni buñ ko défé le peuple malien mom li ñuy lor problème bi moy il ne pourrait pas ne pas y avoir de sanctions. Maintenant, je peux comprendre que le président Macky Sall m'a même trouvé dans un genre ou solution négane bo xamné moy nañ ci génné lepp lu ñu ci délai dans de première nécessité. Effectivement, les sanctions bo tégué Mali dan bu économie Mali sojé ma nga japp né yenen économie yu ko wër da nañu saxal moy le Sénégal mëna ko sentir, la Côte d'Ivoire mëna ko sentir. Maintenant, dans le cadre de l'ECOWAS de la CEDEAO, il y a des mécanismes juridiques et politiques qui nous permettent de sanctions mënu bañ. Sanctions mënu bañ. Surtout quand l'argent va parler d'une période transitoire de 3 ans. Le président Goodluck Jonathan, c'est l'ancien président du Nigeria, il était hier à Bamako. Il négociait d'ailleurs pour que nous baillions le président Ideka et le premier ministre. Problème dit moi, on est en 2020. Crise politique amna. Mais on ne peut pas en Afrique. Et l'homme, d'ailleurs, je n'ai pas compris pas mal d'Africains. Yo xamné ni dañu nan yow gëm nga démocratie, bëgg nga société civile bu taxaw, etc. D'accord, il y a crise politique. Il y a un problème de légitimité. Le peuple bëgg na dara. Il y a même des négociations de la CEDEAO. Et d'ailleurs, le président Ideka, si vous mouillez une équipe d'émission, il l'aurait déjà fait. La constitution malienne prévoit que le président dit démissionner, n'a qu'à l'effet de rien. Le peuple budgétaire a une crise politique doublée d'une crise socio-économique. Vous voyez que le gouvernement est baillé. La démission du président, elle est prévue dans la constitution, mais le coup d'État n'est pas prévu dans la constitution. Donc, mon amour scénario boyité, tous les pays de l'ECOWAS, banque de l'Europe, fait comme si de rien. Gros monde. Les sanctions économiques peuvent être ressenties, ça et là. Et le Mali, les sanctions qui ont été prises dans le cadre de la CEDEAO, elles seront tout de suite reportées au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que l'ONU, souvent, et l'Union Européenne, moi, ils laissent les organisations régionales, dans ce cas-ci, les COAS, ils laissent les décisions. Et c'est bien d'ailleurs, nous disons, durant la crise à Monangambi, c'était la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Ils ont commencé la médiation avant le coup d'État Biya. Il y avait déjà une médiation qui était en place. Et nous, le montrons d'ailleurs, on ne peut pas comprendre l'attitude de la junte. Donc, pour Wan Lene, si nous avons 9 mois, 3 ans, ça a été savamment bien calculé. Parce qu'il y avait un processus politique de négociation qui était là pour décrypter la situation. Alors, nous avons d'abord l'eau. Et donc il ne peut pas ne pas y avoir de sanctions. Parce que l'ingé ben souvent aussi moi, c'est les coups d'État commencent à se remultiplier sur le continent. On a un chef d'État qui n'a qu'une langue que ne veut dire. C'est le cas de Obiang Nguema, c'est le de Guinée équatoriale, c'est le cas de Denis Sassou Nguesso du Congo, c'est le cas d'Alpha Condé de la Guinée. Alassane Ouattara veut torpiller la constitution pour toffer. Mais l'armée du Corégle, amour d'un réouti à Dinabi, vous armez, défar, tabarco, peut-être sa démocratie, peut-être sa élection hilaire, peut-être sa une société civile forte. Amour. Au Mali, il y a l'opposition malienne, formée de cadres et de jeunes yo xamni ñu compétents ñu mëna réew. La société civile malienne, elle est forte, composée d'individus compétents yu mëna réew. Là, au niveau du peuple malien, il y a suffisamment de cadres et de compétences pour déformer. Ce n'est pas au rôle de l'armée, un groupe de jeunes, un groupe de militaires qui vient pour. Une situation absolument critique. Je me rends compte qu'il y a 2 semaines de Ganao, où je suis un Gambien. Je me rends compte qu'il y a une situation indice dans les morgues et dans les hôpitaux. Vous le dites, la solution elle est très simple. Virus B. Je vais vous dire toujours le programme.
xam nañu fièvre bi fan la jógee, xam nañu ñu def ba law ci adina bi. Amul benn tey kuy taxaw ne la garab bii mooy faj fièvre bi. Am naa li ñu tuddee ay breakthrough, léegi ñu ne boo defee lii mu wàññi taux de hospitalisation bi, garab bii am nañu mu dimbale. Boo demee réew mel ni Sénégal, ñu ne la hydroxychloroquine moom lañ combiné ak yeneen antibiotique, am nañu mu faj. Nga ñëw États-Unis ñu ne la ñu ngi utiliser ce qu'ils appellent remdesivir, beneen garab la boo xam ne nii mën na kat ndomb de fan yi nga xam ne moom la ñu fi hospitalisé. Dégg nga affaire plasma bi ñu wax, yi nga xam ne ils sont convalescents, feebaroon ba wér seen plat. Mais amul faj. Ça veut dire y a pas de médicament au sens vraiment scientifique du terme, mais lui, moi, il fait fièvre. Am na fièvre boo xam ne boo ko amee ñu ne garab bii la la docteur di bindal, dans le cas de ce virus là y en a pas. Amul vaccin. Il y a plusieurs essais cliniques qui se font à très haut niveau, à Oxford en Angleterre, puis États-Unis, en Chine, etc. Mais amul un vaccin qui a été testé et dont l'efficacité ne fait pas de doute. Il faut aussi y aller comme il faut. Donc, li xam, li am ru moy, li réew mi, adina bi xam, réew mi xam ko moy, la distanciation sociale, takk masque, raxas loxo. En Gambie, cela n'a pas été fait. Ils n'ont pas appliqué les règles. Réew yi ko defoon yëpp, Amérique fii moo ñu dal, dal Brésil, dans d'autres pays de l'Amérique latine, ça coûtait cher à certains pays en Europe, l'Italie, l'Espagne, etc. C'est ce qu'ils ont fait en Gambie. Là aussi, pour one année, l'absence de leadership au niveau du pouvoir politique gambien, surtout du président Barrow. Xam na ne dinañ ko yemale foofu gars yi ndax waxtu wi jot na balaa ñu ko dagg di leen jox rendez-vous dim inshallah. Xam naa ne élément yu mujj yi dinañ ko joxaat auditeurs yi dimanche bu neexee yàlla, après ñu door nag indi nag waxtaan bu bees bi. Mbokk yi ba dimanche ak yàlla.